Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes mercredi et aujourd'hui c'est journée tournage. Comme vous pouvez le voir, j'ai installé ma caméra. Il est midi, je me suis réveillée un petit peu tard pour tourner. J'ai deux vidéos que je veux tourner qui sortiront donc dans les prochaines semaines. Il faut que je les tourne maintenant parce que cet après-midi je dois un petit peu bouger en ville. Et puis en plus de ça, j'ai le vlog d'hier à monter et j'ai d'autres trucs à monter. Donc du coup il faut que je m'occupe de ça. J'essaye de prendre un maximum d'avance. Vous l'avez remarqué, comme je suis pas souvent chez moi en ce moment, l'idée c'est vraiment de pré-filmer au maximum pour que vous ayez des vidéos tous les samedis. Et là cet été il y a des vidéos de ouf qu'on va tourner et je suis trop contente parce que c'est une série de vidéos que vous aimez bien et là on va pouvoir les tourner cet été, donc j'ai trop hâte. Donc là j'arrête de parler, je vais lancer la caméra, je vais filmer ma première vidéo, ensuite j'ai une petite idée de la deuxième. J'essaye toujours de trouver des idées de vidéos pas originales mais genre juste que vous avez jamais vu sur ma chaîne parce que je trouve ça plus cool. Donc c'est parti. Petit début d'après-midi, tournage, on y va. Ça y est, je viens de terminer de filmer mes deux vidéos pour les semaines prochaines, donc ça c'est une bonne chose de faite. Du coup demain je pourrai enchaîner avec deux nouvelles vidéos, donc ça c'est trop cool. Du coup là on va déjeuner et ensuite je vais filer au bureau pour régler deux trois petites choses et après on va bouger en ville parce que là il fait beau et je suis pas beaucoup sortie ces derniers jours parce qu'il faisait chaud, mais là ça va encore, c'est quand même assez supportable. Donc du coup on va faire ça et déjà on va manger parce que là j'ai pas mangé depuis ce matin, enfin j'ai pas mangé depuis hier soir en fait pour le coup. Et j'ai faim, ça y est. Bon, à midi, je mange ce que j'avais préparé hier soir. Donc c'est une salade pois chiches, oignons nouveaux, feta et jus de citron. Donc voilà, hyper simple. Avec du ras el hanout aussi. C'est très bon et donc du coup, voilà, j'en avais préparé un peu trop hier. Donc là, je vais la terminer aujourd'hui. Tout en regardant le dernier épisode de Stranger Things parce que il me reste qu'un seul épisode à regarder. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous avez regardé cette dernière saison de Stranger Things et dites-moi ce que vous en avez pensé. Pour l'instant moi je suis trop contente, là j'attends le dernier épisode que je vais regarder là. Je vais regarder ce que je peux avant d'aller au bureau, mais je suis trop excitée de cette dernière saison, je la trouve super. J'avais un peu peur en fait de ce que ça allait pouvoir devenir et finalement je la trouve trop cool. Donc dites-moi si vous avez regardé Stranger Things et dites-moi ce que vous en avez pensé. Oscar. Oscar, viens. Coucou Loulou. Salut Loulou. Salut. Coucou. Coucou. Ça va bon? Bonjour. Oui. Salut. Oui. Bonjour. C'est ça. Oscar. Le pauvre. Oh. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Oscar. Oh, faut enlever ça. Qu'est-ce qu'il fait? Hop. Lâche. Lâche. Nova chasse un papillon. Nova. En fait, j'ai compris comment est-ce qu'elle avait éclaté mes rideaux la dernière fois. C'est parce qu'elle chasse le papillon. Et Nono, tu lui as fait sa fête, là, le papillon. Regarde, il est tout mal. Ouais, bah ouais. Tu l'as éclaté. Oui, bah c'est à toi que je parle. T'es vraiment une tueuse d'insectes. En fait, maintenant qu'ils volent plus, ça t'intéresse plus. C'est pas bien, Nova. Le papillon, en plus, regarde, il est tellement mal que je sais plus quoi faire. Si je le mets dehors, là, à mon avis, il va pas survivre. T'as aussi coupé mon aloe vera ou je rêve? Il est vraiment une chipie. Hein. Je suis trop contente parce que Romain de chez YouTube m'a remercié pour mon intervention au YouTube Festival en m'envoyant un petit bouquet de fleurs. Enfin, un gros bouquet de fleurs, il est trop beau avec de l'eucalyptus et tout. Je le trouve trop joli, je suis trop contente. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de fleurs chez moi, donc ça fait bien plaisir, je trouve très beau ce bouquet. Merci Romain, si tu passes par là, je sais que tu regardes mes vlogs. Bon, ça y est, on est en ville. Quelqu'un avait besoin de faire un peu les sols, alors c'est parti. Même s'il fait 10 milliards de degrés, j'ai déjà chaud là, je suis déjà en train de mourir, donc de chaud. Oh!
Bon, on est dans la voiture de nouveau pour rentrer à la maison. Ce soir, j'ai pas vlogué. On est allé dîner avec Océane, donc ma coiffeuse, et son chéri, et aussi son bébé. Donc c'était trop cool de les revoir. Parce que là, depuis la grossesse, en fait, j'avais pas beaucoup vu Océane. J'avais eu qu'une seule fois pour aller voir son bébé. Donc là, c'est cool d'être de nouveau ensemble. Là, du coup, on en a pour une demi-heure pour rentrer à la maison. Et je vous ai pas vlogué parce que automatiquement, elle était avec son bébé et je voulais absolument pas. Pas montrer cette partie là parce que ça n'appartient qu'à elle et à son chéri. Donc voilà, du coup là on va rentrer et je terminerai le vlog quand on sera rentré à la maison. Jelly est derrière, elle est déjà couchée, elle a vu Milo, donc le chien d'Océane, elle était trop contente. Donc voilà, c'est parti pour rentrer à la maison, on y va. Bon, ça y est, on est de retour à la maison et donc du coup je voulais absolument prendre un petit peu de ce temps pour répondre à une question qui est souvent posée dans les commentaires et un truc dont vous vous doutez si vous suivez mes vlogs et mes stories. J'ai rencontré quelqu'un et c'est la raison pour laquelle je suis souvent à Bruxelles, donc en Belgique, puisqu'il habite là-bas, il est DJ et son nom, avant que vous alliez le chercher, c'est Henri PFR. Peut-être que vous le connaissez déjà et peut-être que vous ne le connaissez pas, mais c'est la raison pour laquelle je bouge beaucoup ces derniers temps, je suis peu souvent chez moi, à la fois parce que lui habite à Bruxelles et aussi parce qu'il bouge un petit peu partout en France et en Europe et même dans le monde. Pour travailler, donc j'essaye de le suivre quand c'est possible. C'est un truc que j'ai un petit peu attendu de vous dire parce que j'avais envie de garder ça un peu pour moi, je pense que vous le comprenez aussi, et puis j'ai eu envie de le partager avec vous juste à titre informatif, sans forcément faire une annonce officielle sur Instagram ou vous le montrer complètement dans une vidéo, parce que j'ai pas envie de reproduire les erreurs du passé. Si vous me suivez depuis longtemps, vous voyez à peu près de quoi je veux parler. Mais je ressentais quand même l'envie et le besoin de juste vous le dire pour que voilà, les gens arrêtent de chercher entre guillemets, et je préférais avoir la parole sur ce sujet et la mainmise sur ce sujet avant qu'on nous le prenne et qu'on nous l'enlève et qu'on le dise à notre place. Donc voilà. Et donc voilà, si jamais vous me voyez bientôt à Bruxelles, en Belgique, ou si vous me voyez me balader un petit peu partout en ce moment, c'est aussi une des raisons. Et voilà, du coup j'avais envie de partager ça avec vous, et c'est tout en fait. Je voulais juste vous le dire et je voulais faire ça de manière très naturelle parce que c'est ce qui me ressemble le plus en ce moment et j'avais pas envie de me prendre la tête et j'avais juste envie de vous le dire. Voilà, comme ça. Donc voilà. Du coup, nous, on est bien rentrés à la maison, ça y est. Donc là, on est un peu fatigués. Moi, j'ai encore du travail, même s'il est 23h30. Et là, du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais bosser un peu. J'ai un vlog, donc le vlog d'hier à monter. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez venir le regarder en cliquant ici. À vous abonner à ma chaîne de vlog en cliquant par là et aller voir donc mes deux derniers vlogs en cliquant ici. Comme vous pouvez voir, je suis bien accompagnée pour terminer ce vlog. J'espère que le petit vlog d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous fais à toutes et à tous plein de très gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Bye bye.